Est-ce que vous vous souvenez du 29 juillet 2022? Alors moi, perso, je m'en souviens très bien, vu que c'est le jour où mon père, totalement bourré, m'a dit de lancer Xenoblade 3, le jour de sa sortie, et aussi parce que c'est le jour où on a circoncis mon frère à 5h du mat. Donc ouais... Mais c'est surtout le jour où j'ai décidé d'être le pire des youtubeurs en faisant une vidéo de merde sur Xenoblade 3. Ah, Fiu qui vous raconte sa backstory. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où ma cousine a failli me violer? Quand Xenoblade 3 est sorti, j'étais clairement un petit con. J'ai caché mon expérience juste pour avoir des vues parce que, oh, le jeu vient de sortir. Et je me souviens qu'un gars sur Twitter m'avait dit de fermer ma gueule si je sais pas encore faire de review. Et vu que maintenant je sais en faire, enfin je crois, putain ça a pris 2 ans, bienvenue dans cette vidéo rétrospective slash review slash test slash je devrais fermer ma gueule et commencer la vidéo. Le premier truc qu'on se demande quand on voit un jeu, peu importe le jeu, c'est ça se joue comment? C'est bien beau de prendre 4 heures de ton temps pour t'expliquer petit à petit tous les Xenoblade, mais ça reste des jeux vidéo, donc à un moment va falloir jouer. Et dans cette vidéo, je vais disséquer petit à petit tout le jeu et toute sa structure, afin de donner envie à des petits malins comme vous d'essayer le jeu, d'y jouer, afin d'avoir plus de notoriété, afin d'écraser à jamais l'amour et la vérité, afin d'oublier ma crise existentielle, afin d'avoir plus de commentaires venant de mes abonnés, afin de me réconcilier avec mon passé et donnerai le jeu que j'ai moi-même insulté. Bref, j'ai toutes les raisons du monde de faire cette vidéo. J'adore cette OST, mais je la garde pour une vidéo où vous m'entendrez pleurer. Comme tous les jeux que vous connaissez, Xenoblade 3 commence avec un tutoriel. Dans cette vidéo, je vais totalement exclure l'histoire parce que je crois que la structure du jeu est assez intéressante pour s'en passer. En plus, la prochaine vidéo que je vais faire parle totalement de l'histoire sans gameplay, donc on peut dire que c'est complémentaire. Un dernier truc que je vais pas faire dans cette vidéo, c'est vous expliquer les bases du gameplay parce qu'il y a des gens qui expliquent mieux que moi cette partie du jeu. Et maintenant que c'est dit, on peut commencer. Le premier truc que le jeu vous apprend, c'est que vous êtes foutu sans votre équipe. Chaque personnage de votre équipe a un rôle. L'attaquant, son but c'est de attaquer. Le défenseur, lui, c'est d'attirer les ennemis sur lui et de couvrir les autres. Et le rôle du soigneur, c'est de soigner. Bon, jusque là, c'est ultra simple. Là où ça devient intéressant, c'est quand le jeu nous apprend qu'on peut faire des combos avec nos coéquipiers. Noah inflige un déséquilibre à l'ennemi. Lance le fait tomber par terre, l'empêchant d'attaquer. Et Yuni lui inflige une hébétude pour qu'il reste bien longtemps au sol et qu'on le canarde bien fort. Ça peut aller plus loin avec des trucs comme éjection ou commotion, mais on va en rester là. D'ailleurs, ça sert à rien de dire que Noah inflige un déséquilibre. Noah est de base un épéiste, mais il peut très bien être un tacticien, un médecin de guerre ou même un archer furtif. Et on appelle ça des classes. N'importe qui dans l'équipe peut être un épéiste et infliger des déséquilibres comme Noah. Et c'est un des trucs que j'adore dans le jeu. Rien à foutre des personnages. Je peux très bien mettre la classe d'une petite fille sur un gros galet. Et oui, vous pouvez dire que je suis immature, mais ça sera jamais aussi frustrant que n'importe quel jeu Ouyoverse qui t'oblige à être dépendant d'un personnage que t'aimes pas. Parce que soi-disant, non mais elle peut régénérer l'équipe tant qu'elle est utile quoi. Tant que Xenoblade 3, n'importe quel allié peut régénérer l'équipe. J'aime quand on me donne le choix. C'est un bonheur pour moi de pouvoir mettre une classe qui protège sur le plus intelligent du groupe. Ça lui donne un petit côté grand frère qui protège, et puis c'est toujours le grand frère le plus intelligent. Mais faut pas se réjouir très vite parce que là on est encore au début du jeu et là je vous parle déjà des futures classes que vous aurez. Enfin, si vous arrivez à les trouver bien sûr. Après le tutoriel qui vous explique les bases du gameplay que je vous ai pas expliqué, remerciez-moi, on se trouve sur la plaine de la Calamité qui est composée de pierres et de lapix. Donc rien d'intéressant si ce n'est le thème des combats qui est juste génial. Du coup je vais l'utiliser pendant toute cette partie. Alors il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est le fait qu'il y a des mobs ultra puissants dans les premières zones du jeu. Non mais sans déconner, je suis niveau 3, il est 42, peu importe le coup que je fais, je rate à ce qui paraît. En vrai ça va, ces mobs ultra puissants ils sont très éloignés de nous. Mais on devrait quand même se poser la question, pourquoi mettre des ennemis aussi puissants dès le début du jeu? Les développeurs ne sont pas aussi sadiques, non?
En fait, c'est une idée de génie. Je peux vous assurer que même après avoir fini le jeu, vous reviendrez plusieurs fois dans ces zones. Je suis pas censé savoir que le nom de cette plaine, c'est la plaine de la calamité. Mais je m'en souviens parce que c'est le lieu de naissance, des traumatismes et des regrets de beaucoup de personnages. Ces lieux, ou ces zones, peu importe comment vous les appelez, racontent des histoires. Et c'est souvent grâce aux quêtes bien cachées du jeu que vous découvrez ces histoires. Donc oui, vous allez revenir dans ces zones. Et ce serait vraiment nul si les mobs de la zone en question soient niveau 2 ou 3. Tous les combats se finiraient en un coup. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des mobs ultra puissants dans les zones de jeu pour nous donner un peu de challenge. Et ça, c'est juste génial. Je sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo, le titre a changé. Mais le titre de base, c'est Xenoblade 3 est un exemple à suivre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun autre jeu qui fait pareil? Quand j'ai joué au premier Xenoblade, il y avait un petit arrière-goût de merde. Parce que dans le premier Xenoblade, je suis dépendant de mes personnages. Alors que dans Xenoblade 3, bah non. C'est vrai que ça fait à peine que deux exemples, mais laissez-moi terminer cette vidéo. Vu qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Avant d'aller vraiment plus loin, laissez-moi vous parler des premières classes qu'on obtient. Le seul intérêt d'avoir un épéiste dans son équipe, c'est juste pour déséquilibrer, sinon on peut pas faire tomber l'ennemi. Mais il y a des classes qui déséquilibrent mieux que l'épéiste. C'est bien simple, un épéiste ne peut pas déséquilibrer si ce n'est pas à droite ou à gauche de l'ennemi, alors que des classes comme Paladin ou Pont arrivent à déséquilibrer peu importe le positionnement. Et pour la classe de Lance, gardien lourd, très moyen comme classe, mais ça fait le taf, même après plus de 100 heures de jeu. Quant à la classe de Yone, artilleur soigneur, d'ailleurs c'est drôle, on l'a même pas vu pendant toute la vidéo alors que c'est elle qui inflige les bêtudes. Oui bon, si c'est juste pour soigner, sa classe c'est pas ouf, il y en a qui font vraiment mieux en fait. Et au bout de 4 heures de jeu, vous allez le ressentir, Xenoblade 3 peut devenir extrêmement difficile si vous avez toujours les mêmes classes à partir de ce moment là. Et je vais essayer de moins parler des classes parce que j'ai l'impression que c'est en train de couvrir l'intégralité de cette vidéo. Après quelques tutoriels qui nous expliquent des trucs giga simples comme les collectibles ou comment équiper un accessoire, on se retrouve dans un couloir et puis... BAM! Scale reveal! Le scale reveal est une technique de game design qui permet de montrer directement au joueur que le jeu est grand. En gros, c'est une combinaison de couloirs et puis BAM! Tout devient subitement très grand. Si vous voulez en apprendre plus sur le scale reveal, je vous laisse ma vidéo sur la chaîne Xeno Universe Video. Et pourquoi ma vidéo? Parce qu'on n'est que deux sur YouTube à avoir parlé de ce truc et l'autre il parle anglais. Des scale reveal, il y en a beaucoup dans le jeu, mais je vous laisse deviner la suite, c'est tutoriel. Ah mais... Jésus! Dans n'importe quel jeu qui ne s'appelle pas Xenoblade 3, un PNJ vous demandera d'aller acheter du pain. Vous allez acheter le pain et vous revenez pour lui remettre. Donc à un moment, vous serez obligé de faire des allers-retours pendant les quêtes. Et ça peut vite devenir chiant. Alors que dans Xenoblade 3, vous allez acheter le pain et vous ne revenez plus. Mais le PNJ a quand même son pain. Et ça, c'est grâce à la technologie ultra avancée dans le jeu. Et aussi grâce à cette dame qui a inventé la téléportation des objets. Ça expliquerait le pourquoi du comment ils arrivent à faire apparaître des armes de nulle part. Mais téléporter un truc, c'est techniquement impossible. Est-ce que vous connaissez la monodologie? C'est ce truc qui expliquerait tout. Je vais essayer de simplifier au maximum. Une monade est une chose spirituelle qui est composée d'elle-même. Pour vous donner un exemple, ce tissu est composé d'atomes qui est composé lui-même de protons et d'électrons. Alors qu'une monade n'est composée que d'elle-même. Grâce à ça, elle peut déformer la réalité et elle n'obéit qu'à Dieu. Donc oui, c'est sûr que Jésus avait quelques monades sur lui. Donc on peut dire que les habitants d'Aionios maîtrisent les monades. Je vous ai pas dit, mais Aionios c'est le nom du monde dans lequel se déroule Xenoblade 3. Donc tout le monde en Aionios serait divin? Eh bien non, il y a une explication à ça. Enfin, surtout au fait qu'ils arrivent à faire apparaître des armes de nulle part. Mais si je vous le dis, je serais obligé de vous spoil l'intégralité de tous les Xenoblade. Ceux qui savent, savent. Tout ça pour dire que dans Xenoblade 3, tout est explicable. Tout est expliqué, que ce soit par des PNJ ou par des quêtes. Et c'est fou de se dire qu'en 2 ans, on a à peine effleuré l'univers du jeu. Je pourrais même aller plus loin en vous disant que tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que Lance est le défenseur, le protecteur. Et dans l'univers du jeu, on lui a appris ça. Il sait que c'est son rôle de faire chuter l'ennemi. Il sait que c'est lui qui doit encaisser les coups. Et c'est pas juste du gameplay, mais ça fait aussi partie de l'histoire. D'ailleurs, ses traumatismes et ses regrets sont centrés sur le fait que c'est lui qui doit protéger tout le monde. Bref, c'est un personnage très bien écrit. D'ailleurs, des personnages très bien écrits, il y en a une pelletée dans Xenoblade 3. Mais bon, c'est pas le sujet. Et vu qu'on s'approche dangereusement de la fin, je vais adoucir la musique et j'aimerais vous demander 2 choses. J'aimerais un commentaire de votre part.
non pas un commentaire pour dire si la vidéo est bonne ou pas, mais un commentaire pour en discuter. Et la deuxième chose, si vous le pouvez, donnez-moi encore un peu de votre temps. Car maintenant, je vais être sincère, aucun autre jeu ne m'a fait ressentir de telles choses. Les gens diront que le moment le plus puissant de Xenoblade 3, c'est le chapitre 5. Mais pour moi, le moment le plus puissant de Xenoblade 3, c'est tout le moment où il a existé. C'est tous ces moments où je suis allé vers un feu de camp pour me reposer. Et voir ces jeunes gens profiter du peu de temps qu'il leur reste, ça m'a vraiment fait quelque chose. Tout le gameplay est au service de la narration. Que ce soit en combat ou en dehors, les répliques pleuvent pour nous montrer que ces jeunes gens vivent, qu'ils existent, qu'ils sont humains. En combat, le fait de se transformer en Ouroboros est une métaphore de Xenoblade 3, de son monde, de comment il fonctionne et de comment il finira. En gros, le gameplay de Xenoblade 3, c'est son univers, c'est son monde, c'est son histoire. Juste pour ça, Xenoblade 3 est un exemple à suivre. J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous parler de toutes ces choses qui composent Xenoblade 3. Dans cette vidéo, c'est à peine si j'ai effleuré la surface. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Donc, peut-être demain. Ce qui est sûr, c'est que je continuerai à faire de contenu sur Xenoblade. Je continuerai à en parler à mes potes. Je continuerai à appliquer tout ce qu'elle m'a appris. Pour l'instant, je n'ai plus rien à dire. Je vous laisse.